Salut ma gang de vous autres, bienvenue à Metal Grrrr. Aujourd'hui, je vous parle de Sinner avec leur album Wild and Evil. Sinner est un band qui ressemble pas mal à Motley Crue, mais je dirais les bons albums de Motley Crue. En tout cas, ils ressemblent à ça pour la plupart de leurs albums. C'est un band metal années 80, un petit peu glamesque, qui a le bassiste Matt Sinner à la basse, que vous connaissez probablement parce que c'est le bassiste d'un certain band qui s'appelle Primal Fear. Bref, ici, on a le premier album, et c'est un album que je décrirais comme... Tu sais là, quand tu couches avec une fille ultra cochonne, là, mais ça te prend 3-4 baises avant qu'elle vire ultra cochonne, là, ben, cet album-là, c'est ces 3-4 premières baises-là, là. Elle est gênée, elle sait pas trop, à peur que t'as juge. Bref, elle est pas horny, mais Sinner va devenir crissement plus horny ses albums d'après. Ici, on a quelque chose qui frôle beaucoup le métal sans être métal. C'est beaucoup plus hard rock, je crois, de par le ton de la guitare, que métal. Sauf que pour les fans de NWBHM, et je suis un fan de NWBHM, c'est un crisse de bon album, pareil. Mais comme j'ai dit, la guitare puis manque de distorsion, la production manque de couilles. Mais bon, ils vont se déjeuner puis ils vont virer crissement plus épique ces albums d'après. Fait que si vous recherchez un son Motley Crue ou quelque chose comme ça, écoutez pas cet album-là, skippez tout de suite. Mais si vous êtes un fan de NWHM, vous devez faire trois fois je le dis, écoutez cet album-là. C'est pas un album consistant, je pense juste à la dernière, Trouble, qui est un slow pas si plat, mais d'habitude j'aime ce genre de slow-là par ce genre de band-là. Puis ici, je peux penser facilement à 200 slows plus fun que celui-là. Fait que, ok, il y a Silly Thing qui est une tune radio-friendly, un peu bonne, je vais un peu passer ficelle dans le mot, mais sans plus. Puis le reste de l'album est quand même très satisfaisant, hormis ces deux tunes-là. L'album commence avec Loser of Love, un petit hard rocker, assez accrocheur pour commencer, je dirais. Après ça, on a Snow Speed Limit, qui est du NWBHM, c'est-à-dire du hard rock avec des mélodies de guitare comme moteur, vraiment bon comme tune. Après ça, on a Murder, une tune à tempo moyen, à quelques passes de vocal vraiment intéressantes, mais j'ai besoin de plus pour engraisser. Après ça, on a Riding the White Horse, commence plate mais devient vite très bonne, un bon mix de riffs, d'harmonie et de bon vocal. Le chanteur a vraiment une voix épique qui pousse les tunes vers le haut, il n'a pas des capacités extrêmes, mais sa voix fit crissement pour la musique. Après ça, on a Lost in a Dream, que la bass est un petit peu plus à l'avant-plan. Rien à signaler à part le fait qu'elle est aussi accrocheuse que le reste, puis qu'elle finit avec un bon riff. Une autre tune qui ressort du lot, la 9e, Shaking the Devil's Hand, pour les femmes de tac 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 tac. De la distorsion, puis des couilles pour s'approcher un peu du speed metal, mais. Je veux dire, ça trempe l'orteil dans le lac du speed metal. Sauce un peu, mais ressort parce que l'eau est frette. Du bon NWBHM par exemple, fait en Allemagne, parce que j'ai dit que ça sonne NWBHM, mais il y a du monde qui disent que ça n'a pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment de band qui sonne de même, c'est juste certains bands qui viennent d'Angleterre, mais non, il y a vraiment un son NWBHM, puis ça n'a pas juste été fait en Angleterre. C'est un bon exemple cet album-là. Comme j'ai dit, si vous êtes un fan de NWBHM, je vous conseille cet album-là. Sinon, pour le reste, sautez à l'album d'après. C'est un 7.5 sur 10. J'aurais aimé plus de couilles, plus de distorsion, mais bon, c'est le premier album. On sera pas trop brutal non plus. Je vais juste me fermer à gueule pour faire un zoom sur ma grosse face. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, soit sur Facebook, soit sur YouTube, des suggestions de critiques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre d'affaires-là. Puis si vous aimez pas ce genre d'affaires-là, vous pouvez vous abonner à la chaîne et tout. Vous êtes même pas game. Ah, je vais juste me fermer à gueule.